salutations chers internautes, salutations les... Vous les remarquez, nous sommes ici au palais du peuple, tout coule à flot. Alors aujourd'hui c'est Fatih ou rien. Aujourd'hui vraiment je vous dis que ça coule à flot ici. Le peuple est venu soutenir Félix Antoine Tshisekedi à travers la prestation des serments des trois juges. Alors il y a eu une guerre, un véritable combat, une bataille entre FCC contre Cash. Alors FCC est contre tout ce que Cash est en train de faire à propos de la prestation des serments. Il y a un juge, il y a un peuple, il y a un juge, il y a un la population, Baloba était la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vos populi, vos idées. Et ça, c'est la démonstration. Il y a volonté, il y a peuple. Alors nous disons vraiment coup de chapeau à ces grands géants, coup de chapeau à Félix Antoine Tshisekedi pour le succès, pour la réussite de la cérémonie d'aujourd'hui qui a connu la participation de tous les Congolais sauf les ennemis du Congo. Et les ennemis du Congo, tous nous les connaissons. Les ennemis du Congo ont un nom. Vous voyez vous-même que le peuple congolais est derrière l'état des droits. Le fait d'accepter la prestation des serments de ces trois juges est une expression d'aimer ou de vouloir ou de souhaiter l'état des droits vraiment Namboka Nabiso. Alors Bande Kolangaï, je dis vraiment merci à ce peuple congolais. Je dis vraiment merci na baye nous soyons baye baye na volonté na bango baye na babazaki motivé na mbongote motivé de l'autre côté mais bolingo ya mboka. Alors vraiment encore une fois vous voyez et ça des volontés d'abandon par contre des peuples. Alors vraiment vous qui me suivez de partout, c'est son rival qui vous parle en ce moment en direct du palais du peuple. Et le président Félix Antoine Tshisekedi n'est pas encore venu, alors on l'attend. Il y a encore un monde plein palais du peuple. Et ça c'est l'ambiance au Zomona, ambiance Yalibanda. Je dis merci à vous tous qui avez pris le temps à Kolandangaï. Justement, pourquoi la cérémonie expression de la démocratie. Deuxième chose, c'est que le peuple a répondu présent. Présent en comprenant que l'état de droit est en téléchargement. Et que en toute légalité, il y aura aujourd'hui une cérémonie de présentation de serment. En respect de tous les textes qui puissent exister en RDC. Donc il n'y a aucune illégalité, c'est la raison pour laquelle par ailleurs vous êtes là. Et dans quelques minutes, à 11h comme c'est officiellement déclaré, le chef de l'État, garant de toutes les institutions, sera là. Car la prestation de serment ne peut se faire que au devant de lui, devant non le bureau du Parlement, mais le Parlement. Et je crois qu'il y a assez de parlementaires et de sénateurs qui sont dans la salle. Et c'est le seul qui pourra prendre acte de la prestation de serment de ce jour. Donc, que la Cour constitutionnelle sera dotée de tous les membres dont elle a besoin et le Congo va avancer. Merci. C'est moi qui vous remercie. Ce sont vraiment des très bonnes impressions. Vous savez, nous sommes venus ici nous acquitter de notre droit civique
nous sommes venus participer à la prestation de serment de nos juges et défier le camp adverse de l'ancien régime, le régime sanguinaire, le régime des vampires qui ne veulent pas le progrès du Congo. Mais Dieu merci, ils ont vu aujourd'hui la force du peuple, ils ont vu vraiment la force de toute la nation. Ouais. Et pour votre information, c'est un vaillant combattant. Aza mutoto bundili en Afrique du Sud, Makasi. Batu oyo, totelemisa bendele ya Fati. Pendant que Baluka ki IDP se koufa, Baluka ki liwe papa Etienne Tshisekedi parce qu'il était malade. Alors, bali moussakomo ya Tshisekedi, bango, totelemana bango, totefanda, et natura, Fati vrai qui même pas leader. Alors, te basoutena, Fati Makasi, groupe na bango. Il y a Moïse Katibouï, Léonard Chitambala, Kempex, et le mon capitaine, et son rival, et même alors voilà, équipe, oh vraiment, il y a Fati, le Makasi, Yangowana. Mot de la fin. Oui, comme vous savez, nous sommes les noyaux de la base Afrique du Sud. Nous l'avons bien prédit que Félix Tshisekedi était le futur président de la République, comme nous l'avions encore illustré que. Nous avons illustré l'exemple de Mercator qui était l'initiateur de la boussole dont l'œuvre a été achevée par son fils. C'est-à-dire que l'état des droits a été initié par le père de la démocratie et Félix en a achevé. Nous avons commencé la lutte et nous nous réjouissons d'avoir remporté la victoire. On est à... Alexis, d'abord.